Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Lundi, nouvelle vidéo premium. Vous allez voir un tour de magie vraiment très sympa, que ce soit dans la méthode, la révélation. Bref, j'aime bien la construction de la routine. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Bien sûr, c'est réservé aux membres premium, donc n'hésitez pas à souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous aurez aussi les liens de l'école de magie, tutomagie.com, avec toutes les explications des bases de la magie des cartes, de la magie des pièces. Le tout 100% gratuit, des tours expliqués gratuitement en pièces et en cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, ainsi que la plateforme de VOD. Vous avez aussi les liens des réseaux sociaux. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, Instagram de préférence. Et sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo, et pour ce tour, on pourrait même mélanger les cartes, hein, sans problème. Voilà, comme ceci. Et c'est le spectateur qui va faire les différentes manips. Là, à ce moment-là, le magicien se tourne, il ne regarde absolument rien. Il demande au spectateur de couper le jeu, donc le spectateur coupe. De prendre connaissance de la carte où il a coupé. De replacer la carte. De couper à nouveau pour la perdre. Et de replacer le tout et de mettre le jeu sur la table. Là, le magicien revient, il n'a vu absolument rien, il ne peut pas connaître la carte du spectateur. Et pour renforcer la difficulté, on va même mélanger les cartes, comme ceci. Là, pour lui, c'est impossible. Là, je ne peux pas retrouver votre carte. Je pourrais même couper. On pourrait même faire comme ceci, mélanger un petit peu les cartes à la française. Hein. Il y a sans problème. Mais bon, on va couper de nouveau. Et ce qu'on va faire, regardez bien. On va tout simplement, en coupant le jeu, comme ceci, on va essayer, je dis bien comme ceci, de juste en soufflant. Il y a une carte qui se retourne, toute seule. Et je crois que c'est votre carte. Le 3 de trèfle. C'est pas votre carte. Mince. Alors ce qu'on va faire, regardez bien, le 3, si on prend peut-être les cartes ici, qu'on compte 1, 2, 3, ça serait fort qu'on tombe exactement sur la carte choisie par le spectateur. Et là, c'est un vrai miracle et un cassage dedans, même pour les magiciens.